double flamenco. Pourquoi on devient danseuse de flamenco? Il y a des danseuses de flamenco dans cette salle. Et je pense qu'on devient par exemple danseur ou danseuse ou musicien pour des raisons toujours très très singulières. Et c'est ça peut-être qui est assez finalement intéressant et qui peut être partagé. Le flamenco, c'est un art vibrant, c'est un art pulsionnel, c'est un art qui utilise la saturation. Et ça peut paraître antinomique avec le droit, qui serait une mise en forme de la pulsion, pour qu'on arrive tous à s'entendre. Donc finalement, il y avait vraiment quelque chose qui venait choquer, quelque chose en moi qui disait, cette place-là, il va falloir, elle est un petit peu étroite ou elle me suffit pas. J'ai commencé le flamenco en rencontrant Isabelle Solaire, première grande rencontre pour moi, et je suis rentrée dans le flamenco par une grande porte, puisque je suis rentrée par la porte très artistique, où à l'époque elle nous parlait essentiellement du geste, de l'essence du geste et de la nécessité du geste. Et pour moi c'était un écho, il y avait une nécessité réelle à faire du flamenco, je ne savais pas pourquoi. Je peux aujourd'hui le mettre en lien avec ma famille, puisque je suis petite fille d'exilés républicains et anarchistes aussi espagnols. Donc il y a en effet quelque chose qui résiste et que j'ai pu éprouver dans le flamenco, puisque c'est un art de la résistance aussi, un art du temps. Je suis tombée donc dans ce flamenco. J'ai été séduite par sa sobriété, son épure, le côté pauvre un peu qu'il y a dans le flamenco, qui peut contraster avec l'image qu'on peut en avoir du volant, de l'œillade andalouse. Alors moi, ça ne m'a pas du tout parlé, a priori, à la base. Je suis partie à Séville, j'ai donc décidé de tout arrêter, ce fameux angle droit. Je suis partie m'immerger totalement dans cette culture. C'est un peu un passage obligé quand on veut devenir artiste dans le flamenco. Et là, j'ai découvert une ville extraordinaire, un temps différent, où tout prend plus de temps, où je sentais qu'il y avait de la place pour l'art, puisque le flamenco rythme toute la vie, tous les événements importants, les naissances, les mariages, le calendrier religieux aussi. Et on danse et on chante plus facilement qu'en France, là-bas. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression qu'on danse et qu'on chante si on sait très bien danser et très bien chanter. Et en Espagne, ce n'est pas du tout le point. C'est justement fort agréable de voir quelqu'un qui ne sait absolument pas danser, surtout, s'essayer et trouver une logique dans le corps. Donc je suis allée en fait à Séville et j'ai choisi le flamenco pour trouver certaines réponses à un questionnement intérieur, en fait. Et j'ai choisi d'y répondre par le corps. C'est quand même ça qui a été un petit peu le fil, c'est-à-dire que j'étais dans une discipline très mentale et je ne trouvais pas les réponses à certains questionnements intérieurs. Et donc j'ai essayé, je me suis dit, la voix du corps peut être une manière d'y répondre. Donc je suis tombée en amour avec le flamenco qui m'a donné une forme. Et plus tard, j'ai essayé de lui imprimer un petit peu ma forme aussi. Donc, ça a été des années d'études assez passionnantes et qui, très vite, on sont arrivés à un point également, un petit peu comme il s'était passé pour moi avec le droit. Mon désir s'est désagrégé, en fait, un petit peu. Et je me suis sentie un petit peu à l'étroit, à nouveau, dans ce flamenco. Pourquoi ? Parce que, finalement, le flamenco n'échappez pas au corpus des règles et des « il faut », des « je dois ». Et le maître mot dans le flamenco, c'est le respect. Donc c'est un mot, c'est un très beau mot, j'ai absolument rien contre ce mot-là, mais ce n'était pas ce qui me parlait. Moi, j'avais choisi de changer ma vie totalement pour partir quelque part à ma propre recherche. Et ma propre recherche ne passait pas forcément par le respect et par les canons de ce que
ce que devenait le flamenco, parce que peut-être que le flamenco aussi a été une terre de grande liberté pendant longtemps, et puis beaucoup de gens l'ont récupéré et ont eu envie de le mettre dans des cases, de classifier les chants, de faire dire peut-être quelque chose qui n'était pas dit au début, mais c'était aussi dans un souci de mieux le comprendre et de mieux le saisir, parce que c'est un peu une forme, c'est une forme incandescente qui échappe un petit peu tout le temps. Un petit peu à l'image quand même de mon désir, finalement, qui m'échappait à nouveau quand le flamenco s'est un peu effondré pour moi. Je me suis trouvée donc à l'étroit dans ce carcan, parce qu'il y avait aussi des gens qui disaient « ça c'est flamenco, ça c'est pas flamenco, il faut que tu danses comme ça ». Le plus beau compliment qu'on puisse faire à une danseuse de flamenco, c'est « ay, bailas como una vieja ». Tu danses comme une vieille. Et alors pour moi, c'était, c'était vraiment quelque chose... À la fois au début, je trouvais « ah oui, génial », parce que oui, il y a plein de vidéos anciennes où on voit des petites vieilles avec les tabliers danser sur le pas de la porte. Et c'est vrai que ça a une grâce, ça, c'est très beau, c'est très touchant. Mais moi, j'étais pas une petite vieille avec mon tablier, je venais d'ailleurs. Donc j'ai commencé à me dire, en fait, c'était pas forcément mental, c'est-à-dire que j'avais plus envie. Tout simplement, j'avais plus envie et je me disais, mais alors, j'ai fait tout ça, le flamenco, ça continuait à me toucher profondément, ce chant me touchait, cette musique me touchait, cette danse tellement incarnée me ramenait à la vie régulièrement. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, il y a un problème, peut-être que le problème, c'est moi. Et puis tout ça, ça prend des années quand même, hein. Voilà, donc j'étais en même temps en dialogue avec des amis artistes en France qui, eux, ne me parlaient pas du tout de respect et de quoi que ce soit. Ils étaient plutôt dans la création pure, dans l'invention, et leur audace m'attirait grandement. Et donc j'ai décidé à un moment de rentrer en me disant, ben, il faut que je trouve autre chose, il faut que... Peut-être pas le flamenco, mais à la fois, ça me réveillait tout le temps. Et je vais rentrer en dialogue avec d'autres types d'art. Donc le droit, Séville, je reviens à Toulouse. Et là, je revois ces amis artistes, hein. Et notamment Aurélien Vaury, avec lequel j'ai toujours eu un dialogue sur nos parcours et sur le désir, finalement, qui nous animait. Je monte un espace qui s'appelle La Fabrica Flamenca, qui est un espace de création et de formation autour du flamenco. Je monte cet espace pourquoi ? Pour avoir une place finalement, pour trouver, pour délimiter géographiquement finalement une place pour moi. Donc tout ça est finalement très très lié à moi et moi-même, j'en ai conscience. Hein. Mais c'est le chemin que ça a pris. Je monte ce lieu et... Aurélien me propose de m'écrire un spectacle qui va être un portrait, parce qu'il me dit, le flamenco, ça se suffit à lui-même, et il a raison. Le flamenco est tellement fort, tellement puissant qu'on ne sait pas trop quoi rajouter. Et finalement, il va écrire un portrait, ce qui correspond exactement au flamenco aussi, parce que le flamenco est un art de la personne, une intensification de la personne. Le chanteur va définir son style, le guitariste, la danseuse, pareil. Il n'y a pas vraiment un répertoire qui serait transmis. Il y a un passé, mais il y a un héritage du flamenco, mais il n'y a pas un répertoire. On ne va pas chanter exactement pareil. Tous les artistes vont essayer d'ajouter leurs pattes, en fait. Donc Aurélien décide de m'écrire un portrait. Et en fait, là, c'est comme un miroir tendu pour moi, où il me dit « tu », où il me dit « toi ». Et moi, en face, il faut que j'arrive à dire « moi », qui est finalement mon fil conducteur depuis le début, puisque c'est un petit peu une recherche de moi-même, tout ce parcours. Donc, on joue ce portrait beaucoup, je me l'approprie sans trop... parfois comprendre où je vais. Comme dans toutes les grandes décisions de ma vie, je ne comprends pas vraiment
ce que je suis en train de faire, tout simplement. Et le fait de l'avoir tellement joué m'a permis de trouver aussi une place. Il a imaginé à ce moment-là, la scénographie, c'est un carré de désolation, finalement, et un peu toujours en chantier, un peu comme le flamenco, comme était mon paysage intérieur. Et c'est après un carré qui va se remplir d'eau. Et finalement, ce carré va définir mon espace, un espace qui est le mien. Et qui n'est pas vraiment du flamenco, mais qui l'est quand même, qui est de la danse, qui est de la représentation, qui est un espace d'expression, un espace pour être et être au monde, en fait. Et le fait de l'avoir tellement joué, rejoué, redécouvert à chaque fois, m'a permis, en fait, à un certain moment, de dire « je ». Puisque pour moi, finalement, la créativité et mon rapport à la créativité, ce serait un petit peu le moment où j'arrive à dire « je ». Il n'y a plus tout ce buisson si touffu qui ne permet pas d'avoir cet accès-là, en fait, à ce petit canal où les choses se font et se proposent de façon assez simple et assez directe, quand je peux toucher un moment créatif. Je fais un petit retour en arrière, juste pour dire qu'il y a eu cette première période à Séville où je suis rentrée dans les canons d'un flamenco traditionnel. Et après, une deuxième période qui est la période où j'ai commencé à me questionner, où étonnamment, j'ai commencé à travailler avec les artistes les plus créatifs du flamenco, parce qu'il y en a, et qui ont dû le faire un petit peu contre vents et marées, donc avec beaucoup de résistance du milieu, mais qui aujourd'hui ont une place. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler avec Israël Galvan, que vous connaissez peut-être, et sinon je vous invite à aller découvrir son travail, avec Juan Carlos Lerida aussi, qui fait un travail de déconstruction du flamenco. Et finalement, eux qui, par contre, avaient un background vraiment flamenco, qui viennent de ça, qui avaient quelque part une raison d'avoir envie de le déconstruire, ils se sont rapprochés de moi, puisque c'est comme ça que ça s'est fait. Et finalement, on avait les mêmes questionnements. Alors que moi, je ne venais pas forcément de là. Ce qui explique aussi ce travail après avec Aurélien. Aujourd'hui, je suis plus en accord donc avec ce parcours. Je commence à le comprendre, alors que pendant 20 ans, je n'ai pas compris ce parcours. La logique qu'il y avait dans ce parcours, parce qu'en effet, il n'est pas très logique. Et finalement, ce parcours nourrit ma créativité. Puisque c'est un petit peu l'intuition que j'en avais quand j'ai décidé de partir à Séville. Je pensais que pour être artiste, il fallait beaucoup vivre. Il fallait essayer de rajouter de la vie à la vie. Et c'est vrai que ça en a rajouté pas mal, pour moi. Cette espèce de trajet. Et donc, finalement, j'ai envie de tout ça pour créer en fait, toutes ces rencontres, tout ce dialogue et toute cette incompréhension que j'ai essayé de saisir de mon propre parcours, finalement. Et qui, finalement, dessine un désir assez clair. Alors que ce n'était pas si clair pendant que je le vivais. Voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a eu, pour bien cerner, par rapport au créatif, il y a une acceptation, finalement, à un moment de ne pas contrôler et de suivre un petit peu son désir. Et c'est dans ça que je dis que la création, pour moi, ce serait assez arrivé à dire « je », même si c'est vraiment en résonance avec le travail d'autres artistes, avec finalement une époque, parce que tout ça s'inscrit dans un contexte. Voilà, et juste une dernière phrase, moi, qui m'anime finalement, qui a aussi à voir, c'est qu'on dit souvent que la danse, parce que c'est quand même ce matériau-là que j'ai choisi, que la danse est un savoir de l'inconscient. Et finalement, qu'il sait, je rajoute qu'il sait beaucoup plus que nous, que par exemple, que ma tête. C'est lui qui m'a guidée, en fait. Voilà.